va la rouger. Si tu ressouffles, je connais quelqu'un qui va te calmer le. Ah ouais, non mais ça va, c'est bon. La maléficiaire ? Oui. Qui travaille avec l'ostéopathe du Pays Basque là. L'ostéopathe pour qui tu la connais. Ah oui, il s'appelle Salah. Le mec de Jussu là. Une femme. Ah, Véronique. Oh le con. Celle qui est passée à la télé. Allez, Katia. Ah oui, mon père en a parlé. Je sais pas comment elle s'appelle, cette fille. Tout le monde en parle. Ah bah ben oui, elle est passée à la télé. Dans les grandes écoutes. Non, mais là, je pense qu'ils m'ont desserré le plâtre, donc déjà, ça va détendre. Ouais. Donc, c'est celui-là qu'elle a récupéré les filles, Christelle, ici. Oui. Qui est moins ami que l'autre, pas trop dressé, mais qui est un peu horizontal. Elle me dit qu'il a mis le là, il a mis le toujours, apparemment. Mais bon, il était très mou. Moi, je vois, il y avait les gamins, elle le mettait en club 4, poney 4, il était mou, il était bon. Oh, elle a l'air de le... Comme ça, elle a l'air de bouger, toi. Oui, et puis c'est toujours pareil, s'il y a moins d'heures dans les pattes, ça va bien. C'est ça. Lui, je sais pas si c'est du problème, je pense qu'Indiana fait plus. Oui, Indiana, oui. Celui-là, il est plus jeune, il a quoi, 8 ans, c'est oui. Ouais, mais bah, ils l'ont récupéré dans le lot du, de Xavier. Ouais, c'est des polonais, ça. Ils l'ont récupéré dans le lot de Xavier avec Flocon, avec Nina. Elle est sans pote aussi. Ouais, une 16. Sans